ושמחת בחגיך ואיתך, שמח רבותיי, גבורותיי ורבותיי, מודים לשמחה וששון ועיקר, בעזרת השם ערב טוב, on est ce soir le Yutret, le 18, c'est pas Minastam, qu'on appelle ça le Yutret, puisque c'est l'aide du Mouchai, du mois de Tishri, nous sommes le quatrième soir, le quatrième jour de Sukkot, et c'est un jour très spécial, puisque nous avons des Ushpizin, comme tous les soirs, mais en même temps un invité d'honneur ce soir, puisque c'est la Iloula de Rabbi Nachman, Ben Fega, Ben Simcha, Alav Shalom, Soto, Yagen Al Kolam Israël. Nous avons eu le plaisir de faire ce shiur, puisqu'il a été acheté ce soir par Salomé Dylan Yoel Cohen, Bezrat Hashem, pour que le mérite du tzaddik vienne donner un bon zivugagoun pour Asher Ben Sion Cohen, Bezrat Hashem, ou Ovechol Am Israël. Avec leur permission, on dédiera aussi ce petit shiur. Bezrat Hashem pour tous les célibataires qui veulent et qui pensent être prêts pour se marier, créer Bezrat Hashem, une des mitzvot les plus importantes du judaïsme, de la famille juive. Donc Erev Tov, et on pensera en même temps à tous les malades d'Israël. Et malheureusement, on peut dire que malgré le fait que tout est Gamzol et Tova, il y a beaucoup de gens malades. On pensera à Moratimi, Akdosha, Batora, Saraliata, Alia, Batefrat, Myriam, Salomon Journo. Le Rav Daniel Abdelhak Ayakar, qu'on embrasse très fort et à qui on souhaite une grande réfouche, le Mayana Ben Esther, Anaïs, Léa Batkati Esther, Arié Ben Mordechayatia, qui va déjà beaucoup mieux, grâce à Dieu, réfouche les mains aussi pour Lital Bat Devora, Vishlomo Ben Mordechay et Daniel Ben Shlomo. On pensera aussi à l'élévation de l'âme, Chaya Esther Bat Rivka, Bezrat Hashem, Shani Bat Lelef El Favdalim, Leilou Nishmat, Chane Bat Finja, Denis Simcha Bat Lola Tzipora Bat Zeligman Levi, Yudab Sidney Ben Eliyahu Sayad et Moshe Ben Zari. Alem Hashalom, Roi Hashem Tenachena Megana Eden Edion. Une fois de plus, Toda Rabba aux ceux qui nous. Ah oui, Vinachon, Refouach Lema pour Odelia Bat. Bat, la femme de Ruben de Marseille. Refouach Lema, Leda Kala, Bezrat Hashem, Leda Kala pour toutes les bnot d'Israël. Il est un peu tard, il est déjà plus de 22 heures, donc je ne veux pas trop parler fort, j'espère que vous m'entendez. On va dire quelques mots, d'abord et avant tout, au Rabba, à Salomé donc, et à Yoel, pour avoir acheté ce chiour et insister pour qu'il ait lieu ce soir. D'habitude, chez nous, dans la Souka, sachez que tous les ans, on est à peu près entre 80 et 100 personnes depuis des années, vraiment des années, ça fait plus de 10, 12 ans, 13 ans même. Et ce même encore à Jérusalem, on avait l'habitude, le quatrième soir, de Sukkot, de recevoir un invité spécial. Comme dit le Zohar HaKadosh, les invités ne rentrent que quand on les invite. Je ne sais pas si c'est un rapport avec les films de vampires où ils disent que le vampire ne peut rentrer chez une personne que quand on l'invite, mais c'est un Zohar Mefourash. C'est pour ça d'ailleurs que le Shabbat ne peut venir que quand on l'invite. Boy Kala, Boy Kala, Boy Kala, Shabbat Malketa. Ce qui fait que quand on a des Ushpizin qui rentrent, des invités, eh bien, on leur dit « rentrez ». Une fois qu'on leur demande de rentrer, ils peuvent rentrer. Et ce soir, c'est Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, Sruto Yagan Alenu, et Rabbi Nachman. Et la reine, si on devait tourner la caméra, il y a deux sièges, ce soir, il n'y a pas qu'un. Il y a une grande mitzvah de préparer un siège, Bezrat Hashem, pour nos invités. Ce n'est pas qu'un système symbolique, il faut le savoir. Il faut vraiment mettre une chaise, selon la Kabbale. Alpi Alakha Zelo Chova, Abal, Alpi Kabbalah, Zemamash Chova. Comme Minadine pour une chaise d'Elu Hanavi Zachuletov, ce ne serait pas une obligation de mettre la chaise d'Elu Hanavi à côté. Selon le Din, ce n'est pas obligé puisque la chaise du Sandak pourrait éventuellement aussi servir au deuxième degré de chaise pour Elu Hanavi. Mais il est bon de préparer une chaise Alpisod pour les Ushpizin, pour Elu Hanavi et d'inviter, quand on prend par exemple le bébé, on dit Ze Akise Shel Eliaou Hanavi Zachuletov Malach Abrit. Voici la chaise d'Elu Hanavi, l'ange responsable de la Brit Mila. Ainsi donc, ce soir, on invite à rentrer dans toutes les soukottes à travers le monde de chaque juif, Bezrat Hashem, la présence de deux grands en Torah, deux grands qui ont fait vibrer, qui ont fait vivre, je dirais, le peuple d'Israël. Moshe a fait vivre le peuple d'Israël en apportant la Torah du ciel au sein de son peuple et de toutes les nations qui voudraient respecter les sept lois de Noachid. Et Rabbi Nachman a apporté une magie. De l'étude de la Torah, on peut comprendre le pardès dans un langage d'enfant, d'une certaine façon, puisqu'il a apporté la vie au sein de la chassidoute, déjà précédée par son arrière-grand-père, le Baal Shem Tov, Admor HaZaken, et puis lui-même jusqu'au saint vénéré Rabbi de Lubavitch, qu'on a eu pour certains le mérite de connaître dans notre génération. Et cette Torah
de Moshe Rabbeinu se complète par celle justement de Rabbi Nachman pour la faire revivre. Comme je disais tout à l'heure, ce soir nous sommes le Yutret, le 18 du mois de Tishri. Ce 18 du mois de Tishri vient nous faire danser avec la Torah extraordinaire donnée dans deux dimensions. D'un côté, la Torah qui paraît un peu dictaturale, celle où Moshe ne peut pas rentrer en Eretz Israël, celle où eh bien, ce qui est possible est possible, ce qui n'est pas possible n'est pas possible. La Torah est carrée, elle est précise dans sa façon d'être, elle ne met pas les gants. Quand tu es Chayav Mita, eh bien, t'es Chayav Mita. Quand tu es Skila, t'es Skila, c'est Refa, Erek, Renek. Toutes les mesures sont prises. Et puis d'un coup, tu as quelqu'un qui va venir adoucir cette Torah-là. Et cette Torah-là, c'est celle de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman qui vient toujours donner des solutions à un tel point que, comme on le chante tous, En Yush Klal Baolam, il n'y a pas de désespoir. Klal, Klal veut dire dans l'absolu, pour aucune situation à filou. Cherev Munach Begroncha, Al Titiaesh Mina Yeshua. Même si tu as une épée qui est placée sous ta gorge, ne te décourage pas de l'espoir de voir Be'ezrat Hashem venir la lumière au bout du tunnel. La Torah de Rabbeinu, je dirais que par rapport à celle de Moshe Rabbeinu, qui est une Torah tmima, une Torah intègre, eh bien, on aurait pu dire que quelque part, elle aurait pu faire peur. Elle aurait pu amener l'homme à se poser des questions. Dans le sens où, si cette Torah est si dure, elle pourrait nous décourager. Si vous regardez bien, le jour du don de la Torah de Moshe Rabbeinu tombe à Shavuot. Shavuot, c'est le jour du don de la Torah. On ne dort pas cette nuit-là. On ne plaisante pas, c'est un jour de Yom Tov, c'est un jour où tout est restreint, on ne danse pas, on ne tape pas des mains, je parle pour les Sfaradim, Ken. Et puis d'un coup, nous avons une fois de plus un renouvellement du don de la Torah d'une certaine façon, qui est la fête de Simchat Torah. Zeksat Muzar, pourquoi ? Bien, tout simplement parce que d'abord et avant tout, on voit que Shavuot, c'est un jour qui est d'une certaine façon prescrite, c'est un Shalosh Regalim, tandis que la fête de Simchat Torah, eh bien, c'est un jour, Bifnatzmo, après le septième jour de Sukkot, nous avons Simchat Torah. Et Simchat Torah, c'est un jour où on danse avec la Torah. Et même si ça tombe Shabbat, comme c'est le cas cette année, on dansera à Simchat Torah. Comme si qu'il y aurait eu un double don de la Torah. Alors, on va expliquer ça de façon un petit peu plus élargie, avec l'aide d'Hachem, pour essayer de jumeler la Torah de Moshe Rabbeinu à la Vachalom et la Torah de Rabbeinu, qui en réalité ne sont pas un rajout, chazvé shalom, car tout a été donné depuis Moshe Rabbeinu. Mais je dirais que peut-être que Rabbeinu nous a donné une épice supplémentaire, un goût extraordinaire à la Torah de Moshe Rabbeinu. Comme par exemple, quand on voit la faute du veau d'or, eh bien Moshe condamne ceux qui sont restés en bas, ceux qui avaient embrassé le veau d'or, le halenu ve lo alechem. L'or était placé sur leurs lèvres de façon chakouka, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas l'enlever, pour qu'on puisse les reconnaître. La Torah de Moshe Rabbeinu à la Vachalom était une Torah de justice, de vérité. Mais elle venait du ciel, c'est-à-dire qu'elle exigeait du peuple d'Israël une conduite où, si vous n'êtes pas méritante, vous ne pouvez pas rentrer. C'est ce qui s'est passé pour la génération du désert. Moshe est considéré comme étant fauteur à maintes reprises pour des raisons qui sont élucidées dans la Torah, entre autres qui frappe le rocher, qui ne se reconnaît pas en tant qu'hébreu quand il sauve les filles de Lot, et d'autres erreurs comme celle d'avoir été celui qui dit à Dieu, « Shelach b'yatishlar, trouve-toi un autre libérateur pour libérer les enfants d'Israël. » Dieu lui répondra à maintes et maintes reprises, « Eh bien, puisque c'est comme cela, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. » Il y a des bras de fer qui sont faits. Ça, c'est la fête de Shavuot. Dans la fête de Shavuot, celui qui n'est pas initié à l'étude de la Torah, celui qui n'est pas initié au fait de veiller la fête de Shavuot, eh bien, il va dormir et puis il va pas se lever parce que pour lui, c'est un Yom Tov général dans lequel où il appartient à la Torah ou il appartient pas à la Torah. Et regardez ce qu'écrit le Sfat Emet. Très bizarrement, le Sfat Emet nous dit que le jour de Simchat Torah, si une personne n'a pas étudié la Torah, ou plutôt si une personne a trahi la Torah, c'est-à-dire qu'il est d'une certaine façon comme quelqu'un qui était marié avec une femme et qui a passé son temps à la tromper, et puis d'un coup il vient la voir en lui disant « Je t'aime, viens, je te prends dans les bras, j'ai envie de danser avec toi. » Sfat Emet, il dit « Est-ce qu'une femme accepterait une chose pareille ?» Tu as été trompé par ton mari des dizaines de fois, pas y tomber une fois, deux fois, déjà ça c'est beaucoup, mais et tu viens, tu me prends dans les bras et tu danses alors que tu n'as pas encore Shomer Shabbat. C'est-à-dire en train de me dire « Voilà, je danse avec toi ma femme, Ken, mais de l'autre côté, tu m'excuseras, j'ai ma maîtresse à côté. » La Torah, elle te dit « Hey, tu vas, tu prends des avocats qui vont selon les lois Goy. Tu ne manges pas kasher, tu ne fais pas Shabbat, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, et tu me prends dans les bras. » C'est la Torah de Moshe.
Et c'est pour ça que Moshe a dû travailler sur un travail extraordinaire que l'on retrouvera au fur et à mesure des générations. Ça n'égorge à l'Israël. Moshe Rabbeinu n'a pas pu apporter l'espoir au peuple d'Israël quand ils se sont plaints, quand il dit à Dieu, eh bien écoute, si c'était pour en arriver là, tue-moi. Mais il a porté la défense du peuple d'Israël. À chaque fois, il demandait à Hachem de pardonner le peuple. Salachti kidvarecha. Quand on voit la Torah de Moshe Rabbeinu Alav Shalom, on voit le défenseur d'Israël. Ça veut dire, je reconnais qu'il y a eu des fautes qui ont eu lieu, je reconnais qu'ils ne sont pas méritants, je reconnais qu'il y a des erreurs qui ont été faites, mais trouvons une solution pour que tu leur pardonnes. La Torah de Rabbeinu, elle est différente. Elle n'est pas reliée au pardon. Elle est reliée dans le fait que dans l'erreur qui a été commise, il y a quand même une lumière qui apparaît. Et la seule différence, enfin, une des différences, si je peux me permettre l'expression, c'est que Rabbeinu va mener Kivirchol, je dis bien Kivirchol, de façon imagée, Dieu à ne voir que le positif de ce qui est en lui. Il n'y a pas la notion de pardonner que le jour que de la faute deviendra un jour de fête, comme la faute du Vaudor qui deviendra Yom Kippour. Non, c'est vrai que de l'obscurité est sorti le bien. Ça a été la force de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va défendre toute sa vie le peuple d'Israël. C'est un très haut degré. Mais il y a quelque chose qui va faire revivre l'histoire. Et si nos défauts en réalité étaient une vie? C'est-à-dire que même si, comme on le chante, Ba'astara, Shebetoch Astara, c'est-à-dire qu'au plus profond du cachet de l'histoire, eh bien, se trouverait un bien à l'intérieur. Et que c'est ce bien-là qu'on te demanderait de retrouver. Alors je voudrais vous faire un parallèle entre ces deux fêtes de Moshe Rabbeinu, Shavuot, et une fête qui est complètement reliée à de Moshe Rabbeinu, Shavuot, à une fête qui est complètement reliée à Rabbi Nachman, c'est Simchat Torah. Vous allez voir comment ça se passe. Au niveau du Pshat, on avait déjà raconté que le Magid Mdouvna, dans ses Machalim, avait l'habitude de dire « Lema Adavar Domé ». Chose qu'on a déjà expliqué dans un chiour ancien, que l'histoire de ce roi qui avait une fille magnifique, avec une fossette, des yeux verts en amande, magnifique, tunisienne, parfaite. Et ça fait pas rire tout le monde, je sais. Surtout ma femme algérienne de l'autre côté de la caméra. Et il voulait trouver un khatan vraiment qui soit digne d'elle. Et puis après avoir traversé des pays, il a enfin trouvé une personne que le roi estimait être digne d'être son gendre. Alors il proposa à ce simple berger, mais qui était très intelligent et lui-même assez plaisant physiquement, d'accepter d'être son gendre et d'épouser sa merveilleuse fille unique au monde. Le berger, voyant que c'était le roi et pris sous la panique, accepta d'épouser la fille du roi et il fut surpris quand il observa sa beauté presque parfaite. Et puis voilà que, après avoir fêté un merveilleux mariage, mais une chose extraordinaire avec des milliers d'invités, et bien voilà que 6 mois plus tard, peu importe, il arriva devant le roi avec sa femme et demanda au roi d'organiser son mariage. Alors le roi lui dit, mais je comprends pas, ça ne suffit pas le mariage qu'on a fait? Il lui dit, oui, mais le mariage qu'on a fêté, c'était pas notre mariage. C'était un mariage de crainte, c'était un mariage bien de viol, quelque part, parce que je ne pouvais pas refuser au roi d'épouser sa fille. Alors je l'ai épousé en me disant, bon, ben, si le roi prend un homme aussi simple que moi pour me marier avec sa fille, c'est que sa fille a certainement des défauts. C'est que sa fille va peut-être mourir, c'est peut-être que sa fille a une maladie, peut-être qu'elle est folle, peut-être qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Je ne sais pas pourquoi il me la donne, mais si personne ne la voulait, c'est qu'elle a automatiquement un défaut. Le roi lui dit, alors, qu'as-tu découvert? Il dit, mais justement, je n'ai découvert que des qualités. Et c'est pour cela que maintenant que je suis marié avec elle, sous la contrainte de ce mariage, quand je regarde l'album des photos, ben, je suis un petit peu mal parce que on me voit pas souriant, on me voit fatigué, on me voit un peu inquiet, on me voit pas joyeux. J'aimerais avoir le mérite de pouvoir recollectionner des photos du mariage où je sois vraiment heureux et regarder ma femme avec franchise et lui dire combien j'ai de mérite d'être marié avec elle. Parce que depuis le mariage, depuis que je vis avec elle, je ne vois que des qualités extraordinaires en cette femme et je comprends combien j'ai eu de la chance d'avoir été choisi par vous, mon roi. Ainsi, les enfants d'Israël, quand ils ont rencontré Hachem en Égypte, qu'ils sont sortis
pour être emmenés sous le dais du Har Sinaï pour recevoir le don de la Torah, Dieu nous a violés. Ça veut dire qu'il a renversé la montagne au-dessus de nous en disant « Si vous n'acceptez pas ma Torah, ici sera votre enterrement. » Alors les enfants d'Israël, à la fête de Shavuot, ont été contraints d'étudier cette Torah dans la crainte. Mais voilà que ces quelques mois passés, on n'a pu, Baruch HaShem, étudier cette Torah, aimer cette Torah-là, eh bien nous redemandons à HaShem de refaire un mariage. Et ce mariage, c'est la rencontre entre le peuple d'Israël et le Sefer Torah et sa femme, pour lequel, cette fois, on veut vraiment danser avec elle, on veut vraiment la serrer dans les bras, on veut vraiment la prendre. Alors, quel rapport avec Rabbi Nachman et Moshe Rabbeinu? Quelque chose de nifla. C'est que Torah tziva lanu Moshe, Morasha kilat Yaakov. Comme on observe, par exemple, quand on reçoit le houshpiz de ce soir, Moshe Rabbeinu, on regarderait que la Torah de Moshe, elle est mitzprinat tzav. Ça veut dire, dépêche-toi et fais-le, c'est une ordonnance. Chez Nehemar, Torah tziva lanu. Torah tziva. La Torah est une ordonnance. Moshe Morasha kilat Yaakov. Et là-bas, le Morasha, la Gemara nous dit, ne lis pas le mot héritage, mais Meorasa, qui veut dire fiancé. C'est-à-dire qu'on s'est marié avec elle sous un état de fait. On dirait en français, pour le meilleur et pour le pire. Et voilà que, grâce à la Torah de Rabbi Nachman, on arrive à cette situation un petit peu contraire de ce qu'a dit le Sfat Emet. Pourquoi? Parce que ce que dit le Sfat Emet, en disant, comment est-ce qu'un homme, le jour de Simchat Torah, il peut venir prendre la Torah dans les mains, danser avec, alors qu'il l'a trahi? Bah, t'as les mains sales, tu fais des bêtises, tu me respectes pas, tu me prends dans les bras et tu danses. Il y a quelqu'un qui a dit récemment, il m'a posé une question très intéressante, il m'a dit, celui qui n'a pas fait toutes les semaines de l'année, la paracha de la semaine, n'a pas à fêter Simchat Torah. Ça paraît logique. Pourquoi? Bien, parce que Simchat Torah serait le sioum de la Torah. Quand on finit le Talmud Bavli, par exemple, on fait le Sioum HaShas. Si je finis le Masechet, là je finis Ta'anit par exemple, le Bezrat Hashem. Ok? Eh bien je vais faire Sioum HaSechet. Et comment s'appelle le repas du Sioum HaTorah? Simchat Torah. Donc selon la logique des choses, eh bien une personne qui aurait raté des parachutes viendrait incomplet. Il ne peut pas faire un Sioum de quelque chose qu'il a raté. La Torah de Rabbeinu, c'est l'espoir. Ce n'est pas simplement regarder les défauts de l'autre. Rabbeinu, il explique d'une certaine façon quelque chose que j'ai entendu du Rav Yonah Metzger, quelque chose de nifla, des maîtres qui valaient le coup d'être entendus ce soir. Il dit Zénachon, mais on oublie un détail, lequel? C'est que, vous savez que le jour de Simchat Torah, il y a trois chatanim, il n'y a pas qu'un chatan. Il y a le chatan Torah, celui qui clôture la dernière paracha de Vezot Aberacha, car celui qui a étudié la Torah, Behemet, mérite toutes les bénédictions de la Torah. Il y a le Chatan Me'ona, donc ce sera la petite partie qu'on reprend à partir de Me'ona. Celui-là est très intéressant, mais on ne va pas s'attarder sur lui, parce qu'on va arriver au troisième Chatan, qui est Chatan Bereshit. Et la Chassidoute enseigne quelque chose de Matok Kadvash. C'est que Rabbi Nachman dit, même si jusqu'à Simchat Torah, tu n'as pas été fidèle à la Torah, même si jusqu'à Simchat Torah, tu n'as pas été à la hauteur. Tu as raté des parachutes. Tu t'es pas levé tous les samedis matin pour aller à la synagogue. Tu as raté des parachutes. Eh bien, sache que Dieu a pensé à toi. Dans la Torah de Moshe, elle était intègre. On lit les 10 commandements. On a veillé toute la nuit. On est obligé de faire des chidushim. C'est Yom Tov. Là, dans Simchat Torah, c'est un Yom Tov un peu spécial. Parce que combien même il tombe pendant Shabbat, c'est au-dessus de toute dimension. Et pourquoi? Parce que c'est la Torah de l'espoir. Et pourquoi je la relis cette Torah-là à moi, à Rabbeinu? Parce que Rabbeinu, justement, nous a donné la Torah, que même la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah de l'espoir. Et c'est pas pour rien que les deux, ce soir, sont le même soir. Moshe en tant que Houshpiz, en tant qu'invité, et Rabbi Nachman en tant que Hiloula. Il vient la Hallel et la Torah de Moshe Rabbeinu. Et c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que à Simchat Torah, pour Rabbeinu, c'est l'occasion de recommencer. S'il n'y avait pas eu Chatan Bereshit, il n'y aurait pas eu d'espoir. Mais étant donné que Chatan Bereshit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la première montée de Bereshit. Et Bereshit, ça veut dire au commencement. Alors Rabbeinu, il te dit, c'est pas grave. Même si tu as été loin de la Torah pendant l'année, même si tu as été au bout du monde, Zelo Meshane, même si tu t'es assimilé, Zelo Meshane. Pourquoi? Parce qu'il y a un espoir qui brille pour toi. N'oubliez pas que Simchat Torah, ça appartient même à celui qui n'a pas étudié une seule fois la Torah dans l'année.
D'où tu sors une référence pareille? Aré zesium masechet, zesium Torah. Omer lecha nachon, aval zegam chatan bereshit. Il y a aussi de la place pour ceux qui vont commencer à se marier avec la Torah. Parce qu'avant, ils n'étaient toujours pas mariés avec la Torah. Et c'est cette Torah extraordinaire que vient nous apprendre ce soir Moreno Arav, Rabbi Nachman, chez où Hachem Shelo Mauto, Nachman, Rahmanout, qui vient donner justement cette extraordinaire vision que malgré la situation dans laquelle on est avec ce virus, avec ses problèmes financiers, des milliers de juifs qui n'arrivent pas, même pas rejoindre Eretz Israël aujourd'hui, l'insécurité dans le monde, avec tout ce qui se passe et qui va à une grande vitesse. Je pense que ce soir, ce quatrième soir justement, qui correspond au Shem Havaya Baruch Hu, c'est justement pas simplement la Torah de Moshe qui nous sort du pétrin, mais c'est surtout le fait de comprendre qu'il n'y aura aucune situation qui pourra nous mettre dans une situation de non-retour. Vous savez, j'ai entendu des vidéos de certaines personnes qui ont dit « c'est fini, vous ne pourrez plus revenir » et ainsi de suite. C'est peut-être une Torah qui existe, mais ce n'est pas la Torah de Rabbeinu. Dans la Torah de Rabbeinu, « en davar kazé qu'un juif ne revient pas. »« En davar kazé qu'un juif est perdu définitivement. »« En davar kazé. » Comme l'explique Chassidut, quand Elisha ben Abouya s'est entendu dire du ciel qu'il n'avait plus de monde futur, et que les portes de la Teshuvah étaient fermées, eh bien la Chassidoute nous enseigne qu'en réalité, ce qu'ils attendaient de lui, c'est pas qu'il fasse pas Teshuvah, c'est que ça voulait dire que ce message, que pour faire Teshuvah, il faut l'aide du ciel. Dans ton cas, toi, Elisha ben Abouya, comme tu as trop fauté, et que tu es arrivé à un très haut degré, la Teshuvah t'est fermée du ciel, mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas aller jusqu'au ciel, rouvrir les portes de la Teshuvah. Ainsi donc, la Torah que nous avons aujourd'hui, qui est cette épice supplémentaire de Moshe Rabbeinu et la chassidoute de Rabbeinu sur la Torah de Moshe Rabbeinu, comme une espèce de goût qui vient se rajouter, vient nous faire comprendre que Béhémet, grâce à la Torah qu'on peut étudier de la chassidoute, comme l'a enseigné d'ailleurs le Saint Vénéré Rabbi de Lubavitch, il n'y a pas de désespoir. Et on voit le travail. On a vu le travail du Rabbi de Lubavitch. On a vu le travail de la chassidoute. On a vu le travail sur le terrain que des milliers de personnes dans les années 80, 90, jusqu'en 2000 et jusqu'à encore aujourd'hui, des gens totalement assimilés parmi les non-juifs, des gens qui n'avaient même pas fait Pessah une seule fois dans leur vie, sont revenus au judaïsme, des gens convertis à d'autres religions, des juifs de chez nous, totalement assimilés, sont revenus à la Torah. Et vous savez pourquoi? Parce que le Rabbi a cru en l'âme du juif. Parce que Rabbi Nachman avant lui a toujours cru en l'âme du juif. Et vous savez pourquoi? À cause d'une phrase. Tous les matins, Rabbeinu, il disait, quand il arrivait à Sher Bahar Banu Mikol Amim, Venatananu et Torah Tobaruch Hashem Noten Torah, il pleurait. Et vous savez ce qu'il disait? Il disait, comment est-ce qu'un juif peut être méfiant d'un autre juif? Comment est-ce qu'on peut se juger mal les uns les autres, alors que celui qui nous a créés, celui qui voit à travers ce que nous sommes, voit la perfection de l'être. Sher Bahar Banu Mikol Amim, Venatananu et Torah Torah. Dieu n'aurait jamais donné sa Torah à des individus qui forment un peuple s'il avait un défaut. Comme le dira Bilham, je ne vois ni de défaut ni de péché dans ce peuple. Am Israël ou Am Kadosh, Moshe a été le défenseur d'Israël. Il nous a sorti de beaucoup de problèmes. Moshe Rabbeinu Baruch Hashem nous a apporté toutes les lumières de la Torah. Mais Rabbi Nachman nous a adouci cette Torah. Et aujourd'hui nous fera danser avec cette Torah. Nous fera aimer cette Torah. La Torah de Shavuot, de Moshe Rabbeinu, s'adoucira dans les tapages de main, les danses, les laits. Baruch Hashem, non, ma femme me fait signe qu'on est en 2020, qu'il y a la pandémie, qu'il n'y aura peut-être pas de Simchat Torah, on va peut-être le faire dans nos demeures. Peut-être. Mais moi, comme je dis toujours, ce que veut Dieu, nous devons vouloir. Si Dieu veut qu'on fasse seul chez nous Simchat Torah, on fera seul chez nous Simchat Torah. Parce qu'il est temps de donner de la joie à la Torah. Et j'aimerais vous dire quelque chose que j'ai appris à propos de l'étude de Simchat Torah et de la Torah de la Chassidut de Breslev, qui est extraordinaire. C'est que jusqu'à maintenant, il y a toujours une mahloquette, à savoir est-ce que Béhémet, on doit faire le Oneg Shabbat ou est-ce que c'est Shabbat qui nous fait le Oneg? Je m'explique. Est-ce que c'est à nous de donner de la joie au Shabbat
ou est-ce que c'est au Shabbat de nous donner de la joie? Réponse de la Gemara, le Sikkum, c'est les deux. À nous de préparer la table de Shabbat, les plats de Shabbat, de chanter l'honneur de Shabbat, et grâce à ces événements accomplis, alors la Torah viendra nous donner, Bezrat Hashem, le Shabbat lui-même, le plaisir de dormir différemment, manger différemment, rêver différemment, s'aimer différemment. C'est le Shabbat Shalom. Il faut savoir que toute l'année et toutes les fêtes juives, c'est à nous de donner de la joie à la Torah et à tout ce qu'elle renferme. Sauf un jour. Le jour de Simchat Torah, c'est le jour où c'est la Torah qui vient nous donner de la joie. Les acteurs principaux devenons nous. La Torah est posée, en général, le Sefer Torah est posé sur le Hal, et nous dansons autour d'elle, et elle nous regarde. En d'autres termes, la Torah est spectatrice, et nous devenons les acteurs. Et la Chassidoute nous enseigne que c'est exactement ce que veut Hachem. Quand vous avez été capable de donner toute l'année, dans la Emouna, dans la joie, à la Torah, malgré le fait que ce soit très difficile de faire les courses, de rester dans le shalom, de supporter les tensions, aussi bien atmosphériques que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à travers les informations et même sur notre propre chair, eh bien, vient un moment où la Torah vient nous dire « Maintenant, c'est à moi de te donner ». Le jour de Simchat Torah, c'est le jour où la Torah vient te donner. Elle te donne toutes les permissions de l'aimer, toutes les permissions de l'apprendre, toutes les permissions d'espérer que Béhémeth, l'impossible devient toujours possible si toi-même tu y crois. Balken, Baruch Hashem, l'apogée de ces fêtes que nous traversons finiront par Simchat Torah. Et Simchat Torah, c'est d'ailleurs le moment de la Chassidoute, parce que les seuls qui dansent pendant les jours de Yom Tov ou Shabbat, ce sont les Chassidim, ce sont des lois ashkenazites. Et là, Kaot Rabbi, tout le monde devient d'une certaine façon. Baruchu, Baruch Shemo, la complémentarité de la fête de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, nous avons dansé, enfin, les années précédentes, en l'honneur d'Hachem, on a supplié Hachem, on a fait Teshuvah pendant les 30 jours qui l'ont précédé. Puis maintenant que nous avons, Baruch Hashem, traversé ces 30 jours de Slichot, nous rentrons devant le jugement. Mais nous avons confiance en Dieu. Alors bien sûr qu'on est un peu ému, on a peur pour l'année qui arrive, on supplie Dieu de nous pardonner. Puis après Rosh Hashanah, nous avons les 10 jours de pénitence, dont on reparlera à l'occasion. Ces 10 jours de pénitence sont les 10 jours de perfectionner ce qui était imparfait, pour arriver à la fête de Yom HaKippourim, qui est le jour du grand pardon. Dieu atteint, plutôt s'assoit à un tel degré, que quoi que l'on ait fait, on est pardonné. Alors Boré Olam, il nous dit, vous savez quoi, je vous monte dans cette dimension, c'est pour ça qu'on ressemble à des anges, et non plus des humains, pour faire comprendre à chaque juif que la dimension de Kippour l'élève bien au-delà de sa bêtise humaine, puisque là où s'assoit Hachem, le jour de Kippour qui s'appelle Sfirat Keter, la faute n'existe pas. Donc on ne peut pas la voir. C'est pour ça qu'on la chante. Pour exprimer un peu la chassidoute de Rabbi Nachman, qui dit justement, maintenant que tu as fait tchouva, tu peux chanter tes fautes. Pleure, parce que tu dois pleurer, mais transforme tes péchés, Bezrat Hachem, dans une tchouva d'amour pour Dieu. Et ainsi donc, tes péchés deviendront un mérite. Après, on a 5 jours. 5 jours qui sont la redescente de Keter vers le monde d'en bas. Les Mekoubalim nous disent que pendant les 5 jours qui mènent de Yom HaKippourim jusqu'à la fête de Sukkot, toute faute qui est faite par inadvertance par le peuple d'Israël n'est pas considérée bichlal. En d'autres termes, aucune faute. Pas celui qui sait que c'est interdit qui va faire la faute. Lui, il crée la faute. Mais les 5 jours qui mènent de Pourim à Sukkot sont de Kippour, pardon, moi et mon Pourim, j'adore Pourim, et de Kippour à Sukkot sont tellement élevés que toutes les fautes faites par inadvertance ne sont pas comptabilisées comme si elles sont automatiquement effacées par la Gdusha de Yom HaKippourim. Et quand on rentre dans la Sukkah comme aujourd'hui, on rentre dans quoi? Dans Tzila Dimhemenuta, on rentre dans les bras d'Hachem, un Tefar, un mur, un autre Tefar, un mur, et encore un Hama qui représente la main. Dieu nous prend dans les bras, tout comme on prend son sceptre dans les bras et son cœur dans la main, car le trog, de façon imagée, représente le cœur de l'homme, mais il représente aussi le cœur d'Hachem. Et donc on le prend dans la main gauche pour dire qu'on a posé notre cœur contre le cœur de Dieu et qu'on le serre. C'est une fête qui est empreinte que d'amour. Et c'est ce que vient enseigner justement cette fête des Sheva Ushpizin. Nous avons Yaakov, Avraham Avinu, Chesed,
Yitzhak Avinu, qui prendra la défense du peuple d'Israël, qui est marqué dans ma Sechet Shabbat, Bezrat Hashem, qui à la fin des temps prendra la défense du peuple d'Israël en disant, mais qu'est-ce que tu veux chez ce peuple qui dort déjà la moitié du temps, comme tous les humains, après il travaille, après il va aux toilettes, après il mange, combien reste de temps? Allez, 14 heures, je prends 7 heures sur moi, tu prends 7 heures sur toi. Qu'est-ce que tu veux chez ce peuple? Yaakov Avinu, père de la nation juive, Moshe Rabbeinu, défenseur, Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, Yosef, qui pardonnera à ses frères, et David Ameler, qui défendra toute sa vie le peuple d'Israël. C'est une fête qui est visitée par sept personnages qui ont passé leur vie à défendre l'honneur de la Torah et la légitimité du peuple d'Israël. Et la reine Bezrat Hashem, quand on voit sur Ajou, s'il y a sept ou Shpizin et qu'il y a huit jours, alors c'est qui Simchat Torah? Rabbi Nachman. C'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman. Badak, c'est beau d'être juif. Rabbi Nachman, il fait un saut de visite. Saïloula. Avec Moshe Rabbeinu, avec le Ushpiz d'aujourd'hui, Sruto Yaganelnu. Mais on le retrouve comme huitième Ushpiz qui vient Chol, en dehors de la fête, parce qu'on ne peut pas changer la Torah. Il n'y a que Shiva Ushpizin dans la fête de Sukkot. Mais on a encore un jour. Et ce jour-là, c'est le jour de la Chassidut. C'est le jour où tout le monde danse avec tout le monde. C'est le jour où le Chassid, le Rabbi, il est avec tous ses élèves. C'est le jour de Simchat Torah, où tout le monde est pareil. Pourquoi? Parce que face à la Torah, on n'est rien. La Torah est tout. Et le peuple d'Israël, ensemble, tzadikim, benonim, bereshaim, comprenons qu'en réalité, on avait tous un rôle à jouer, malgré la médiocrité de certaines de nos actions. Et ça, c'est la Torah qui vient, Baruch Hashem, je ne dirais pas embaumer, mais qui vient se rajouter, non pas à défendre simplement le peuple d'Israël, comme l'ont fait ces grands de la Torah, mais à montrer que même dans les défauts d'Israël, il y a des qualités qui étaient tout simplement mal cadrées, voire mal canalisées. Et la chassidoute est capable de canaliser les plus grands défauts de chacun de nous pour les remettre, telle une épice qui donne du goût au palais, qui peuvent eux aussi prononcer des paroles de Torah, le jour de Simchat Torah. Simchat Torah Amar Rabbi Nachman, mitzvah gdola liot, besimchat tamid. Tamid. C'est une mitzvah gedola d'être constamment Bessimcha Tamid. Mazoto Meret Bessimcha Tamid. Que le mérite du commencement de Simchat Torah qui démarre l'année d'une certaine façon de la lecture de la Torah démarre dans la joie. Parce que quand on posait la question à Rabbi Nachman, par quelle mitzvah je commence des 613 mitzvot, il répondait par être heureux de vivre. La Torah ne peut pas reposer chez quelqu'un qui n'a pas envie de vivre. La Torah ne peut pas reposer chez quelqu'un qui ne croit pas en la vie. Et la Torah ne peut pas reposer chez quelqu'un qui n'a pas compris que sans lui, la vie ne valait pas le coup d'être vécue. Et comment on fait ça? Aujourd'hui, on est confiné, spécialement en Israël, même en France, partout, ça va commencer, on ferme, les magasins sont fermés, on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus aller... Il n'y a plus rien, même Simchat Torah, on ne sait pas si on fait dans une synagogue. Ou si... J'aimerais vous poser une question. J'aimerais vous poser une question. Je pense que les femmes seront plus habilitées à répondre à cette question que les hommes. Mais vous avez déjà vu un accouchement? Un accouchement, c'est rempli de Mazel Tov, c'est rempli de Baruch Hashem, c'est rempli, ah super, mais quand on parle hébreu, on emploie des mots qui sont encore plus durs. On dit « Yoshevet à la Majber ». Elle se trouve dans une situation de crise. C'est-à-dire qu'elle perd les os. Donc l'enfant se retrouve dans un univers vide, l'ange Gabriel se retire, le Yetzerara se ramène, la Petah Rebet, à l'entrée de la femme, et d'un coup l'enfant va subir des contractions qui le pousseront vers le tunnel de la sortie. La femme, à ce moment-là, hurle. Et nous, on pose toujours la même question un peu stupide. Alors, elle a couché? Alors, elle a couché? Comme si on parle d'aller mettre une lettre à la poste. Je rappelle, sans vouloir vexer personne, qu'il peut arriver que la femme, quand elle pousse pour mettre un enfant au monde, eh bien, on vienne à uriner ou autre chose. Des fois, elle vomit. Et qu'un accouchement est loin d'être beau, si on mettait une caméra. C'est loin d'être beau. C'est pas spécialement beau de voir ça. Mais ça annonce la vie. La Gemara nous a mis en garde. Be'aita ou Be'ahishena. Si les enfants d'Israël, dans l'ensemble, font teshuva,
Béhémet, que les enfants comprennent la grandeur de reconstituer la nation d'Israël sur la terre d'Israël, la doucha de Shabbat Kodesh, la grandeur de la pudeur d'une femme, combien c'est important. Alors, Bezrat Hashem, l'iskala geoula, comme a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara Shabbat 118 Amud Bet, loulé Israël shomrim shte Shabbatot, nimiyad nigalim. Si on était vraiment shomer Shabbat, allez, si on arrêtait de se critiquer, allez, si on apprenait à plus s'aimer, se juger les kafsroutes. Alors, bevada, qu'on verrait d'autres résultats, et que la piqûre que prennent les femmes qui vont accoucher, qu'on appelle la péridurale, nous éviterait ces souffrances, et l'enfant naîtrait beaucoup plus facilement et sans douleur. La femme le regarderait naître et serait heureuse de le voir. Mais si on n'arrive pas à comprendre, et que, sans faire de critique, j'explique simplement par rapport à ce qui est dit, quand on arrive à des mariages, on vient faire des choupotes. Encore une fois, je vous demande pardon si les gens se sentent jugés ou vexés. Mais je ne veux pas trafiquer la Torah pour vous faire plaisir. Mais t'arrives à une choupa. Tu vois des jeunes filles qui sont avec des jupes style la fée clochette. Ah ben, slicha, c'est assour. Un moment qui débarque sous la choupa, pratiquement dénudée. Ah ben, c'est assour. On organise dans des grands champs comme ça, avec des chanteurs, les femmes et les hommes mélangés. C'est assour. On rentre à la maison, on reçoit la belle famille, on passe notre temps à la critiquer. Ta mère, t'es comme ta mère, t'es comme ton père, t'es comme ton frère. Die ! Alors, comme on n'arrive pas à comprendre et que Hachem nous a tout donné, il nous a donné, Baruch Hachem, de l'argent pendant beaucoup d'années. Beaucoup de gens pu s'en sortir, des kolélim, des yeshivot, une armée, une police, un pays. Grâce à Dieu, on avance. Grâce à Dieu, les gens ont acheté beaucoup de maisons, beaucoup de bonnes choses. Au lieu de mettre ça à profit de la Torah, eh bien, qu'est-ce qu'on en a fait ? Puisque ça va, eh bien, je vais bien, je vais vivre les choses à mon rythme, à moi, en adhérant à certaines idéologies religieuses, ce qui a donné un mécontentement avec les appareils dans les synagogues, et on se parle, et on envoie des messages, et puis comme il ne se passe rien, alors personne ne se pose de questions, puisqu'il ne se passe rien, si ce n'est que le gabaï ou le rave qui va dire « d'aille avec ce téléphone », et on va lui dire « oh, ça va, mets-toi tes affaires ». Alors, comme on ne comprend pas, et qu'on s'est un peu carapassé de la réalité de ce que nous prévient la Torah, car elle est immuable et ne change pas, Dieu nous a fait comprendre avec un petit virus qu'on n'était absolument rien, car le message universel du virus, c'est de nous faire comprendre combien on n'était rien sur Terre, et que tout peut se bloquer, que les gens qui rêvaient d'avoir des salles de mariage parce que c'était une garantie financière pour lui et toute sa descendance se retrouvent aujourd'hui supra-endettés, que le système, en réalité, est un système qu'on appelle domino. Tu fermes une salle, donc le cuisinier est renvoyé, donc les serveurs sont renvoyés, donc les ménages sont renvoyés, donc moins d'achats, donc les appareils photo. Ceux qui étaient photographes, qui faisaient Baruch HaShem de l'argent tous les mois aujourd'hui se retrouvent à la panime. Les chanteurs, les cinémas, les théâtres, c'est un engendrement de choses. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que si on pensait, comme le dit la Gemara dans Sota, qu'on pourrait s'en sortir tant qu'on aurait des arguments, la Gemara nous a répondu dans Maseret Sota 49 à Moudbet que En la nou leishan el avenu shebashamaim. Quand est-ce que viendra la Géoula ? Quand le peuple d'Israël, après avoir épuisé tous ses arguments et ses munitions, dira à Dieu : Dieu, il n'y a plus que toi. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc si vous me posez la question pourquoi autant de malheurs aujourd'hui ? Pourquoi autant de choses ? La Gemara dans Sanhedrin nous dit : Quand tu verras les malheurs se bousculer à ta porte, attends-le. Pourquoi ? Parce qu'on est en plein accouchement. Et quand on est en plein accouchement, ça crie, ça pleure, ça injure, ça fait ses besoins, c'est pas très propre à voir. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Mazel tov ! Et on refait la brite. C'est-à-dire qu'une nouvelle alliance va se faire, Bezrat Hashem, entre le Melech HaMashiach, le créateur du monde, puisque tous les grands prophètes d'Israël seront là, Rashi sera là, il y aura une résurrection des morts. Un jour de joie si important qu'en réalité, il ne pourra t'appartenir qu'à celui qui l'attendait. La Gemara nous dit pourquoi le Mashiach tarde-t-il tellement ? Pourquoi Dieu nous fait tellement attendre ? Réponse pour nous donner chaque jour encore un peu plus de mérite de pouvoir vivre cet événement. Vous savez, il y a une très belle phrase de Confucius, très très belle phrase, qui a vécu à peu près 2300 ans en Chine, qui avait dit « On ne peut se permettre de vivre une deuxième vie que quand on a compris qu'on n'avait qu'une vie ». Et cette phrase-là, je trouve qu'elle est très en rapport avec la notion et la dimension de la teshuva réelle. Ne gaspille pas ta vie pensant que tu en as deux, mais tu pourras commencer à vivre une nouvelle vie quand tu auras compris que tu n'avais qu'une seule chance de montrer à Dieu combien béhémet tu l'aimais et combien tu devais lui rester fidèle. D'avoir ni fla, ni sgav. Zot ha chassidut shel Rabbi Nachman, derech agav. Voilà.
c'était un petit message entre cette dimension où on voit Rabbeinu très, très, très apparaître à Rosh Hashanah et qui commence réellement la fête après les Slichot. Et on le retrouve clôturé, cette fête-là, à la fin de Simchat Torah, pour bien faire comprendre que nous sommes dans ce tourbillon de joie. Comment les épreuves s'arrêtent, dit Rabbi Nachman, quand tu danses avec elles. Je vous avais raconté, et je finirai peut-être avec ça, cette fameuse histoire de Rabbi Akiva. Maseret Yevamot Kuf Kaf Alef nous raconte là-bas l'histoire de Rabbi Akiva quand Rabban Shimon ben Gamliel était parti sur le port et qu'il observait des bateaux, puis un qui était fracassé, et il se mit à pleurer. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à pleurer? Parce qu'il s'est rappelé qu'un grand Torah, eh bien, s'était échoué avec le bateau. Et ce grand Torah, nous dit la Gemara, n'était autre que Rabbi Akiva. Seulement voilà que quelques jours plus tard, Rabban Shimon ben Gamliel rencontra Rabbi Akiva en chair et en os. Alors il s'est étonné en lui disant « Mais je ne comprends pas, comment se fait-il que tu sois vivant ?» Il lui a dit « Bien, quand le bateau a chaviré, je me suis accroché à une planche. » Il lui dit « Alors ?» Il lui dit « Ben, j'ai laissé les vagues s'écraser sur le rivage. » Et là, il y a une grande question qui se pose. Et les matelots et les gens qui étaient spécialistes de la nage et du bateau, ils ne savaient pas faire ça. Le marcha pose une question énorme. Et il dit, Aval Rega, Rega, depuis quand un homme, il peut empêcher une vague d'avancer? Imagine que tu es en plein océan, il y a une vague qui vient et dit, hey, Robert, celle-là, on l'empêche. Hein. Une vague, tu te la prends automatiquement dans le visage. Alors qu'est-ce qu'a voulu dire Rabbi Akiva en disant, j'ai laissé les vagues passer, s'écraser sur les rivages? Et ce sont ces mêmes vagues que j'ai laissées passer, s'écraser sur les rivages, qui m'ont emmené jusqu'au rivage. En d'autres termes, ce sont les épreuves qui, elles-mêmes, nous sauvent la vie. Le Maharsha nous répond quelque chose de nifla v'nisgav, shen kedugmato, behemet, perush nifla. Le Maharsha, il dit qu'en réalité, ce qu'a voulu dire Rabbi Akiva, c'est que toute sa vie, il a été bousculé par les épreuves. Il faut savoir que Rabbi Akiva a une vie extrêmement dure. Il a enterré 3 femmes dans sa propre vie. Il a été rejeté d'un endroit, comme on peut le constater quand il arriva dans un village. Il a demandé juste pour dormir, le gîte. Est-ce que je peux avoir un endroit? On lui a dit non. Il était fils de converti. C'est l'achot, c'est l'achot, n'était pas pris en compte. Il était aimé, respecté. Mais il a été critiqué, souvent mis de côté. Il a été déshérité. Il n'a pas pu donner à sa femme ce qu'il voulait. Il a eu 100, il a eu 24 000 élèves, que vous compreniez, 24 000 élèves. Et ils sont tous morts et c'est lui-même qui les a enterrés. On aurait du mal à comprendre la vie si difficile de Rabbi Akiva et qui a fini par être dépecé par Tournius Rufus. Jusqu'à la fin de sa vie, Rabbi Akiva a souffert. À part ce que vous ne connaissez pas de lui, comme par exemple le fait qu'il jeûnait pour qu'une personne fasse teshuva 40 jours d'affilée comme Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva jeûnait 40 jours d'affilée pour que les gens fassent teshuva quand un jour il avait rencontré une personne qui avait tellement de clipotes en lui. Il a jeûné 40 jours pour casser sa clipa, qu'il fasse teshuva, et cet élève est devenu un élève de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a voulu dire, dit le Maharsha? Il dit, comme toute sa vie, il a laissé les vagues des épreuves dans la transparence de sa personnalité, les laissant s'écraser, le jour où il s'est retrouvé en pleine mer, alors que tout le monde se noyait, et peut-être dévoré par des requins, Rabbi Akiva a été intact. Parce que les vagues, les épreuves qu'il a eues dans sa vie, comme il les a toujours laissées passer, en disant Kolman David Rahamana Letavavid, tout ce que fait Hachem, c'est le bien. Il n'a jamais réfléchi, jamais pris la tête. Pourquoi? Comment on va faire? Il n'y a pas de ça. Il a laissé la vague passer. Il savait qu'il survivrait. Le jour où il s'est retrouvé en plein océan, Rabbi Akiva a dit, j'ai laissé les vagues passer. Et elles se sont écrasées sur le rivage. Ce sont ces mêmes vagues qui m'ont permis d'arriver jusqu'au rivage. Rabbi Akiva a dit, quand les épreuves sont nombreuses et qu'elles viennent à toi, reste transparent. Parce que le jour où tu seras réellement en danger de mort, ce sont ces mêmes vagues, ces mêmes épreuves que tu as vécues dans ta vie qui te feront vivre le moment le plus important pour que tu arrives sain et sauf jusqu'au sable de la Géoula. Chag Sameach. Et un bon Zivouk Bezrat Hashem.
comme vous l'avez souhaité, pour d'abord tous les enfants d'Israël avec votre permission, Bezrat Hashem Yitbarach, et donc pour Asher Ben Tzion Cohen, Shizkel et Zivugagun, Beriut et Tana, Shur offert par Salomé Dila et Dylan Yoel Cohen, à qui on souhaite Chag Sameach et tous les bonheurs du monde avec vous tous qui nous soutenez, Bezrat Hashem, une grande Refou Shlema chez vous, une grande Ahlama Bezrat Hashem, toute l'équipe de El Moshe vous embrasse, vous remercie de tout son cœur, Bemet. Et qu'on entende que les très 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 bonnes nouvelles. Faites attention à vous, ne prenez pas le virus à la légère, Bémet, portez les masques, je vous le conseille où que vous soyez, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Malheureusement, un grand tzaddik encore aujourd'hui nous a quitté, l'admour de Pittsburgh, 66 ans seulement, et on en entend tous les jours. Il y en a un autre ce soir aussi qui nous a quitté. La reine, que leur mort ne soit pas vaine, et que nous puissions, Bezrat Hashem, non seulement veiller, mais il faut savoir que porter le masque et de vivre ce que nous vivons, c'est un tikkun. On répare des choses. Comme m'a dit quelqu'un tout à l'heure pendant la prière de Mitra, il m'a dit, franchement, ça sert à quoi tout ça? Et je lui ai dit, c'est dur de respirer, Nachon. Nachon, je lui ai dit, tu manques pas d'air. Nachon, je lui ai dit, ça, tu vois ce que tu es en train de vivre, c'est dur, Nachon, c'est un tikkun. Peut-être que c'est le tikkun qui répare le lashon hara qu'on a fait, peut-être Dieu nous envoie un cadeau. Parce que tout ce qu'envoie Dieu, c'est qu'un cadeau. Qu'on soit parmi les vivants pour vivre la Géoula, qu'on n'ait pas besoin de mourir, qu'on n'ait pas besoin de pleurer, qu'on n'ait besoin que de danser avec la Torah, mais qu'on n'oublie pas que dans les deux cas de figure, c'est à Simchat Torah, il y a le Chatan Torah et il y a le Chatan Bereshit. Alors pour ceux qui n'ont pas encore commencé à faire Tshuva, Egi Azman, la Atril, commencez à faire Tshuva, Bereshit est pour vous.